Nous approchons. Mon ami, en êtes-vous bien certain cette fois-ci? Ne serait-il pas temps de rebrousser chemin? Je redoute fort que nous arrivions en retard pour le thé chez ma mère. Et toute cette nature, je crains pour mes allergies. Patience, ma chère. Si ce croquis historique dérobé chez mon antiquaire dit vrai, nous sommes à trois brins d'herbe du lieu légendaire dont parlaient les histoires de mon vieil oncle. Pire, il faut admettre qu'il dessinait rudement bien à l'époque. Vous ai-je déjà conté l'histoire de ce merveilleux château ? Qui fut celui de mon illustre ancêtre, Rakab Lakhaï. Il fut construit en 1672. Donc, je vais faire le tour, nous irons plus vite. Conservé. On savait bâtir à l'époque, vous ne trouvez pas ? Enfin bref, il eut au fait de remplir ce lieu dans les curiosités qui débusquent autour de ces innombrables aventures. La plus surprenante d'entre elles étant très certainement ce château parfumé. Vous souvenez-vous, je vous l'avais offert pour votre 6e anniversaire. Peut-être c'était le 7e. Enfin, qu'importe. C'est cette fois-ci où l'on peut bien servir la raison. Ah, vous avez trouvé quelque chose, mamie. Bon, faites-moi voir. C'est fascinant. Eh bien, mamie, il semblerait que nous ayons enfin trouvé ce... Oh mon Dieu, vos allergies refont surface. Eh bien, mamie, il semblerait que ces cours de pilote vous aient raffermi. Oh ah oh. Eh bien, ma foi, il est vrai qu'un peu d'entraînement ne nous ferait pas de mal. En garde! Bon, il suffit, mamie. Nous sommes venus ici pour cette montre. Laissez-moi donc y jeter un œil. Tiens, d'ailleurs, savez-vous ce que cela signifie ? Geste-toi, maléfisque, fuyez, pauvre fou. Mama, ik telonde und du rapot, nicht kaboru. Qu'est-ce que je vous disais sur mes allergies?
On dirait que toute cette ascension ne me réussit pas. Ah. Oh, le thé chez ma mère. Bigre, vous avez raison. Quelle heure est-il ?